Françoise Viella, chargée de communication et de médiation scientifique à l'IPBS à Toulouse. J'ai un parcours atypique. Après des études de sciences biologiques et de photographie, j'ai été recrutée au CNRS comme photographe scientifique. Plus tard, j'ai rejoint l'IPBS à Toulouse où je me suis formée à la communication et à la médiation scientifique. Actuellement, je fais la liaison entre les chercheurs, les instituts scientifiques du CNRS et le grand public. J'écris en collaboration avec mes collègues les communiqués de presse sur leurs publications ou sur les travaux de recherche. Et je fais l'interface avec les médias lors des demandes de rendez-vous ou de tournage au sein du laboratoire. Je conçois et je réalise des produits de communication, plaquettes, flyers, portraits vidéo, des travaux des chercheurs qui sont diffusés sur le site internet du laboratoire, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur la chaîne YouTube que nous avons créée depuis quelques temps. Ayant pris conscience des évolutions de la société et de la nécessité de sensibiliser les différents publics à la démarche scientifique, je propose aux chercheurs des actions de vulgarisation sous forme d'expositions temporaires ou de cycles de conférences que nous concevons ensemble et que je réalise dans le cadre de festivals de culture scientifique ou d'autres manifestations comme Octobre Rose, Movember ou la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose au sein de structures telles que le Muséum de Toulouse ou le Café des Sciences, etc. En fait, je me rends compte que depuis le début de ma carrière, j'ai eu le privilège d'exercer mon métier de manière inventive dans différents domaines. La science, la médiation, les arts visuels, les relations publiques. Et j'ai eu cette chance de travailler dans un environnement gratifiant, aussi bien du point de vue humain que scientifique, et c'est quelque chose que personnellement je trouve extraordinaire.